Bonjour, bonsoir la famille. Comment nous y est? J'espère que nous en forme. Malgré situation difficile pays nous a traversé là, nous obligés aller de l'avant, nous obligés chaque jour faire effort pour nous retirer tête nous notre loi, pour nous prendre élan nous, pour nous garder comment nous ca survivre, comment nous ca vivre chaque jour. Puis plus. C'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui pour me porter émission pour l'an pour vous. Et comme d'habitude, n'a pas continué par les pays, comme d'habitude, n'a pas continué exposer réalité, exposer faire pour nous regarder ensemble qui solution nous avons joindre à problème pays. Et c'est un plaisir chaque coup m'a regarder situation pays et m'a regarder des séries de amis qui toujours étaient là, qui toujours étaient fermes, qui toujours et ferme au poste qui au même yo toujours là pour Mariani comment y comment a vu situation pays qui checker sous moi qui pas jamais pas là pour prendre nouvelle moi ça fait mon pile plaisir parce que moi ouais nous apprécier travail là nous considérer moi comme mon petit sœur comme mon grand sœur comme mon petite comme mon famille donc c'est ça nous besoin c'est ça nous besoin pour pays avancer c'est ça nous besoin pour pays en ce côté lié là que un tel qu'a compter sur un tel que nous on qu'a compter sur l'autre pour nous épauler l'autre là pour nous supporter l'autre là pour nous encourager l'autre là et puis grand façon nous qu'a encourager travail là c'est le nous partager vidéo à le plus monde au courant de situation pays en plus monde prend conscience de ça qu'a passé en dedans pays donc ça extrêmement important en pile pour moi donc m'a mandon l'autre fois encore encourager travail positif qu'a fait là pour bien-être collectif. Nous ouais chaque jour comment situation pays a empiré. Nous ouais comment crise pays et bagaille a vinn plus compliqué, bagaille a vinn plus difficile. Et jodi an là, si on regarde réalité qui gagne dans capitale pays, Port-au-Prince a gangsterisé net, département l'Ouest a gangsterisé net et on regarde jodi an place Hugo Chavez dans zone aéroport international tout Saint-Louverture, li vinn tout non camp réfugié. Donc pas mon côté en dedans pays à un moment là dans Port-au-Prince pour localiser un monde pour c'est pas et face avec insécurité pour localiser un monde pour c'est pas par rapport avec problème instabilité gang cap faire monde quitter la caillou gang cap terroriser population monde yo pas gain relais yo pas gain répondre yo pas gain monde qui pour secourir yo pas gain monde qui pour garder comment yo ka retirer dans situation yo ya là et ça fait toujours important pour nous faire diagnostic de problème pays diagnostic de problème sécurité cap traverser en dedans pays et là nous garder réalité en vrai là nous regarder dernière résolution qui sorti dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, côté yo condamné barbecue, côté jodi à la barbecue, c'est une figure emblématique de l'insécurité en Haïti, violence criminelle, suivant résolution 2653 et Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais nous avons considéré M. Sayo comme des exécutants. Nous avons considéré barbecue, isoti, la pli, vite l'homme, l'homme sans jour, et gaspillage, la trois exaïo qui gagne chaque million de dollars sur tête. Nous avons considéré comme des exécutants. Pas bon côté statut exécutant, mais gagner différentes catégories, moun yo même qui gagne doit être trappé dans l'insécurité. Et pour aujourd'hui là pour faire trafic d'armes pour faire trafic munitions dans le pays pour qu'on considère comme un monde qui a financé qui a instrumentalisé violence criminelle en Haïti il y a deux bagages pour gagner obligatoirement faut qu'on gagne relation ça nous les contacts là et bon l'autre bagage qui est extrêmement important pour gagner faut qu'on gagne l'argent faut qu'on gagne l'argent faut qu'on gagne relation si on regarde la réalité pays aujourd'hui tout problème nous gagne là il tourne vers la politique. C'est nèg politique yo qui crée toute instabilité ça, c'est nèg politique yo et qui a géré question gang yo, c'est nèg politique yo qui yo même yo assuré yo prend contrôle gang yo, prend contrôle et zone stratégique le gagne élection pour yo ka gérer électorat, c'est yo même. Donc si c'est problème politique nèg politique yo qui crée tout ça nous gagne là comme insécurité, qui crée tout ça qui gagne là comme violence criminelle, violence nous quand même dit violence politique dans le pays yo. Et à la base faut nèg sa yo si nous voulons pays avancer tout bon si nous voulons pays avec stabilité faut nèg sa yo faut que yo renonce avec et activité criminelle y a faire dedans pays faut que yo renonce avec activité gang y a faire dedans pays pour la justice ta sanctionner etc. et puis pour ta aller vers l'avant mais qu'on y a n'a gardé véritable diagnostic là n'a gardé véritable paramètres qui en place on va garder par exemple
Gen ou ka di dat ou gen 3 kategori moun ate a la ki implike directement nan insécurité nan vivre dans le pays. On va parler de exécuteur yo nou dou. C'est bandi yo nèg sa yo ka presser sous des tank là non. Nèg sa yo ka exécuter malheureux malheureux ka fait kidnapping yo non. M'a parler par exemple si ou gade nan premier échelon. Ou a di dat ou ki est directement ki gagne pouvoir pour commander zame pour faire zame rentrer dans le pays. Ou a di c'est moun sa yo nou ka considérer comme chef de dans pays, chef de l'état. Je ne parle pas de chef de l'État, je ne vais pas faire allusion typiquement avec le président de la République, quand c'est le président de la République et le chef de l'État. Je parle de point de vue général. Tout le monde qui est autorité, tout le monde qui est chef en dedans le pays, ça, directement, c'est eux-mêmes qui gagnent plus aptitude pour faire des âmes rentrer en dedans le pays. Donc, le Napsonge, le Laurent Lamotte, le premier ministre. Ou tande yo dou primature te commande un paquet de zam, un paquet de galil et pour yo bay pour yo mettre dans palais national pour yo mettre dans primature etc. pour yo ka gérer question sécurité augmenter effectif mais après tout dans l'on fin tande galil za yo zam sa yo fin rentrer dans pays yo après pral apprendre que même zam sa yo c'est 2-3 graines yo mettre dans la présidence yo bay dans palais national 2-3 graines dans la primature côté toutes zam yo aller yo aller alimenter insécurité yo aller faire trafic yo aller vendre bandi yo donc première catégorie moun qui officiel qui gagne légitimité en dedans pays qui gagne relation qui gagne l'argent en main qui disponible pour faire trafic zam c'est officiel l'état ça yo c'est moun sa yo qui couvri en bas statut qui couvri en bas couverture officielle yo qui gagne immunité pour faire zam rentrer qui gagne contact direct pour faire zam rentrer d'ailleurs pour faire zam rentrer ou besoin couloir ou besoin contact soit aux États-Unis d'ailleurs 90% zam qui a pas alimenté insécurité violence en dedans pays il pas sorti l'autre côté États-Unis et qui est qui a fait rentrer c'est nèg qui a fait politique c'est nèg qui dans pouvoir c'est nèg qui dans opposition. Donc là quelque part ou gétan ouais si nous besoin résoudre problème insécurité hein faut nous passer directement par bon côté moun sa ou ka fait politique qui nan tête l'état. Gros deuxième catégorie moun c'est monsieur secteur privé yo. Ce sont les hommes d'affaires en dedans pays hein. Nèg sa ou ka bataille pour augmenter boussio nèg sa ou ka bataille pour augmenter quantité l'argent yo gagnent. Mais koun ya automatiquement obligé garder qui est en dedans pays yon, qui gen quantité l'argent qui gen et potentiel pour gérer question port qui gen potentiel pour faire conteneur entrer marchandise entrer ça pas checké ou pral wè se nèg sa ou qui contrôler la douane se nèg sa ou qui contrôler APN se nèg sa ou qui gen port la phyto etc. moun sa yo qui gen privilège sa yo moun sa yo qui pas sous contrôle aucune institution dedans pays yon, moun sa yo qui sorti en bas contrôle autorité douanière yo donc c'est eux même qui gagnent non seulement yo gen contact mais yo gen l'argent tout et jodi an gade réalité 90% zam sorti aux États-Unis vin alimenter insécurité en Haïti vin alimenter violence en dedans pays yo suivre pour à chaque fois madame Alim gagnent pour le présenter devant Conseil sécurité Nations Unies ou bien non réunion qu'a fait sous dossier haïtien madame Alim li toujours gagne chiffre exact pour bail. Li dou gagne près de 600 000 zames illégales qui en circulation en Haïti. Li dou mais qui statistique qui gagne par rapport avec quantité gang qui occupe pays qui occupe département l'ouest. Li gagne des chiffres et chiffres yo pa bay menti. Si à travers chiffres ça yo pa bay menti, mais pour qui ça on froid pas jamais entendre le madame Alim. Apprend la parole bien présenter rapport devant Conseil sécurité Nations Unies, li dit toutes zames ça yo qui sorti qui alimente marché insécurité en Haïti a qui a fait violence en Haïti a là 90% là dedans sorti États-Unis pour qui ça le pas jamais camper pour dire zam ça yo qui en Haïti 90% là dedans sorti États-Unis donc là on regarder complicité qui gagne complicité autorité étrangère ça qui gagne dans question insécurité dans question violence Loyo identifié ti l'appli yo identifié Chris la yo identifié barbecue yo identifié vite l'homme la mensonge etc. Faut gen moun ki paye moun sa yo pas les enfants du bon Dieu non yo pas ange au contraire c'est des bandits notoires c'est des criminels etc. mais jodi an la deux catégories moun sa yo présente là yo tant criminel ou bien yo pi criminel que nèg sa yo parce que nèg sa yo c'est chita yo joine nèg pou zam ba yo c'est chita yo joine nèg pou munition ba yo c'est chita yo joine moun vin alimenter
yo en armes et en munitions. C'est ça qui vérité, c'est ça qui réalité. Koun ya, si nous gade troisième catégorie moun yo. Troisième catégorie moun yo, c'est catégorie moun qui pas vraiment des officiels de l'État, qui pas dans secteur privé des affaires là, mais pour autant yon contact. Yo gen quelques diaspora qui ka fait doum pou yo, qui ka voye boîte pou yo, qui ka voye machine et puis ka mette zam la dan yo. Même jour ouais jodi an nou ka pran nèg sa yo qui fait partie de l'église épiscopale d'Haïti, qui t'a fait zam rentrer, qui t'a fait munition rentrer de dans pays. Yo même nou ka mette yo dans troisième catégorie. Yo gen relation, OK? Yo gen kòb dou, mais c'est pas pour autant yo dans secteur privé, c'est pas pour autant yo c'est des officiels. Est-ce qu'on comprend officiel yo même yo ka commander zam directement pour besoin pa yo et puis al bay bandi yo. Dans secteur privé, yo ka utiliser port yo douane yo pour yo faire zam rentrer, bal rentrer. Mais moun sa yo m'ap dou lan, c'est moun ki peut-être bénéficier franchise douanière en tant que l'église épiscopale d'Haïti et puis soit attendre à utiliser statut et puis la faire commerce armes, la faire commerce munitions. Mais derrière toute bagaille ça yo, derrière toute gang ça yo qui crée en dedans pays yo, derrière tout territoire bataille territoire qu'a fait en dedans pays yo, c'est nèg qui nan politique yo qui derrière. C'est nèg qui nan politique yo qui derrière, c'est nèg qui nan secteur privé yo qui a paye nèg ki nan politik yo pou fè job bou yo pou déstabiliser gouvernement pou mete instabilité an dedans pays yo. Tout se résume dans la politique. Et jodi an la par rapport avec problème politique qui gagne, par rapport avec différents politiques nèg gagne, par rapport avec ego différents acteurs politiques an dedans pays yo, gen nécessité pou gwo akòr historique ki jwenn. Mais accord historique ça, est-ce que son accord historique Champouel? Accord historique ça, est-ce que son accord historique un petit groupe et puis toute majorité tout monde qui c'est toute tête pensant instabilité rete dehors, ou bien est-ce que son accord historique ou accord global côté protagoniste tout protagoniste sur à son même table côté pouvoir sur à son même table négociation dialogue pour jouer nos sorties de crise avec problème pays pour bal pour zam yo commencer bébé pour bal yo commencer bébé pour population radon souffle pour nous ka commencer espérer gon l'autre pays. On pays côté que si Dominique jodi an la il a déporté haïtien, haïtien pas besoin de casser tête li parce que le connaît s'il rentre la caille au moins ka espérer la vie meilleure parce que li pas risquer pour un bal marron, li pas risquer pour voler rentrer la caille agresser, li pas risquer pour yo kidnapper, pour yo assassiner etc. parce que politicien yo moun ki à l'origine de violence sa yo, moun ki à l'origine de insécurité yo décidé yo transcender tout intérêt mesquin yo et puis yo bay pays a une chance. C'est ça nous besoin. C'est ça nous besoin. Et n'a songé Éric Jean-Baptiste, il était un nan moun qui était chita sous table négociation pour parler de accord historique là, pour garder comment yo ka vini avec un accord côté que tout acteur yo, tout protagoniste yo, tout moun qui nan division, tout ennemi politique yo a chita sous en même table pour résoudre problème yo gagné. Et malheureusement, yo assassiné Éric Jean-Baptiste et kounia par rapport avec situation ça, nous pas connait comment RDNP a réagi, est-ce que a prêté un accord historique là ou pas. Et bien m'bra kito là avec Clarence Renoir qui parle bay plus explication, plus détail sur accord historique là, dans qui point yo est là, est-ce que yo censé aboutir avec elle, est-ce que yo abouti avec elle, comment Ariel Henry a gouvernement là ouais des marchés etc., comment international là ouais des marchés etc., parce que nous avons une communauté internationale qui toujours a dit problème haïtien solution haïtienne, est-ce que yo favorable avec accord historique ça, est-ce que accord Montana a décidé rentrer dans accord historique ça. Donc toute question ça yo gen réponse. En nous tendez, en nous gardez avec moi et Clarence Renoir, yon membre accord historique là, yon démarche accord historique là et puis n'a retourné après parce que gon dossier qui est extrêmement important, c'est dossier nomination président Cour de cassation Lebrun que Ariel Henry mettait là dans moment n'a pas lié. J'espère que y a capable de faire le point sur ça. Nous avons plaisir pour nous parler avec Clarence Renoir, leader Unir Haïti. Monsieur Renoir, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour à toute équipe Magic 9 là, pour me parler avec moi. C'est un plaisir tout pour nous recevoir. Monsieur Renoir, qui côté et discussion hier, et nous connaissons des rencontres, etc. En vue pour nous capable de dégager un compromis, ou même tout, pour participer dans une initiative comme ça, ou te faire appel à un compromis historique, qui côté nous, on a parlé là. Qui côté nous, c'est difficile pour répondre avec précision à la question ça. Il a regardé déjà la situation générale du pays. Nous, à côté nous, nous un pays qui est complètement bloqué, un pays côté insécurité à faire rage chaque jour du plus, avec des dimensions que nous ne connaissons pas. Et la guerre entre gangs qui bloquait tout un pays, en réalité, pour le prince, avec ce qui s'est passé dans un matissant.
et l'autre côté encore qui bloqué mon cap mouri sans que l'autorité nous prenne au courant et dans des conditions affreuses. Mon économie qui finit effondrée par rapport à tout blocage qui était dans le pays A, de pays loc en pays loc. Et un coût de la vie qui va l'augmenter. J'entends des matins, on t'appelait nouveau tarif transport qui va gagner. On imagine qui conséquence ça va gagner sur la vie en général. On a payé 2500 gouttes de sortie de Port-au-Prince pour aller gérer bien. En plus de cela, nous connaissons notre réalité que les passagers ont une redevance de sécurité obligée faire au pays encore. Sous coup ça, on va demander comment on peut le faire pour le déplacer. Donc à partir de ce moment, on va être complètement paralysé, qui va paralyser toujours malgré qu'on ait un gaz qui a un prix que personne ne va payer dans la réalité des choses. Donc, mes côtés nous y est d'abord. Moi, je vais mettre ce tableau ça, qui est capable peut-être d'ouvrir pour nous perspective politique. Pour nous dire, si le pays est en Italie là, qui ça on fait? Et d'abord, qui est-ce qui est responsable? Donc, pour moi, de mon côté noyé politiquement, on connaît que depuis deux mois et même plus, tout le temps dans le pays, là, il y a un peu de groupe qui est en discussion et moi-même, j'ai participé là-dedans. Et on continue à discuter. Et lorsque le temps est venu éclairci, nous rencontrons en face. Et c'est vers octobre que j'ai pu signer justement une déclaration avec plusieurs organisations, entités et groupes qui étaient appel pour un compromis historique dans le pays. Parce que là, nous avons analysé la situation en général. Nous avons dit que l'accord l'un neutralisé l'autre et en réalité une paralysée pays. L'accord 11 septembre désagrégé, le ministre n'a pas quand même bah, un bilan de combien il y a des faits contre le chef et dans le pays. Et gagner le monde qui était si accord là avec qui est solidarisé. En commençant par Mdakadi, le plus important d'entre eux, le PHTK, le SDP, et en partie la dernière, etc. Donc, dès lors, à notre avis, il était nécessaire qu'il y ait un effort qui est fait, qu'il y ait un appel qui est lancé, qu'il y ait des dispositions qui prennent de la part d'acteurs politiques et qui ont dit, dans le tableau, ça nous a dit qu'il y a la économique, sociale, sécuritaire, il y a une nécessité pour un compromis entre nous, les Haïtiens. Car, Sénat, si vous permettez mon introduction, étrangers ont dit nous ça 20 fois, 30 fois. J'ai l'impression qu'ils mettent nous à l'épreuve parce qu'ils pensaient que nous n'avons pas qu'à faire. Étrangers ont dit nous, c'est nous-mêmes Haïtiens qui nous donnons une solution à la crise-là. Mais nous-mêmes Haïtiens, nous refusons d'éviter ça. Et nous refusons de faire un effort pour nous rejoindre l'autre là pour nous faire. C'est ça, déclaration qu'on fait, nous appel que nous lançons pour un compromis. Là, pour nous dire, solution crise-là, de nous dépasser quoi personne par nous, quoi idéologie par nous. Ou bien parti que nous avons dans le propre intérêt par nous, pour nous voir comment nous avons mis l'intérêt nation en devant. Et à partir de ce moment, c'est vrai que nous avons une culture du compromis en Haïti, en politique, mais pour nous, c'est une grâce à des consensus. Consensus de part et d'autre. Du côté du pouvoir, des tenants du pouvoir, et du côté des partis, si nous avons dit ça, d'autres partis, si nous avons dit l'opposition. Donc, vous pensez que ça a mené nous vers des discussions qui étaient assez avancées, mais malheureusement, à chaque fois, que nous dépassions nos plus près de conclusion et un accord, nous avons fait un accord qui va durer des semaines et des semaines. Voilà où nous en sommes. Ok. Moi, quand on est pendant le week-end qui s'est passé, il y a des rumeurs qui étaient très insistantes, qui étaient dit qu'il y a des possibilités pour nous signer un accord, toutes les forces politiques, pour nous signer un accord. Et qui est-ce qui est vrai, qui est pas vrai dans la rumeur, ça, M. Renoir? Je pense que c'était peut-être des souhaits exprimés, mais je vais les démentir personnellement parce que je n'ai aucune planification ni agenda la même. Mais sérieusement, je crois qu'il y a une disposition qui est comme ça. Parce que notre groupe, qui est un groupe très important, compromis politique qui est composé de tout qui est le groupe qu'on connaît, qui est dans la lame, je vais la cité pour ne pas oublier un peu, mais qui est quand même très important pour la cité, pour gagner peine et tout allié que le bien est. Il y a PHTK avec Alliés de l'Union, il y a un accord unitaire d'Haïti qui rassemble ensemble de l'autre accord en donne toujours. Il y a un groupe de concertation qui est Kadoa en donne. Et enfin, Mdakadi, pas des moindres, il y a deux partis politiques qui n'ont jamais signé un accord, qui étaient entrés dans Mdakadi, il y a un camp de neutre, des neutres, RDNP et Unir. Et moi, je m'a parlé au nom de l'Union. Et en parlant
en dehors de NP, ça lui encore une fois de moi et une journaliste. Donc nous tenons discussion, mais pas jamais aucune convocation, rendez-vous, invitation pour tenir un corps qui était signé. Évidemment, nous avons des rumeurs qui ont circulé de part et d'autre, et je veux dire, les réseaux sociaux ont servi à ça pour faire des ballons d'essai, ou bien pour faire des diversions. Mais nous-mêmes, sérieusement, nous pensons que non, pas la plus aucun accord qui a signé, parce que pas de aucun rendez-vous qui prend, pas de pré-dialogue qui était fait sur ça. Oui, c'est qu'il y a un pré-dialogue, c'est un combat contradictoire par rapport à ça, mais déjà, mais qui a abouti à rien de concret et qui t'a donné des la condition de signature. Donc, à partir de ce moment, moi, je connais que c'est pas vrai, pas donc une signature qui t'a fait, et car les acteurs n'étaient pas contactés, n'étaient pas engagés non plus dans le processus de discussion qui t'a mené, processus de discussion, de négociation, qui t'a mené à une signature d'accord, et donc, c'était des rumeurs. Ok. C'était des rumeurs. Est-ce que nous-mêmes représentants et ou bien signataires à compromis historique là, nous avons participé dans une réunion pendant ce moment et avec d'autres acteurs, notamment et premier ministre qui sont au pouvoir ou bien représentants, sous et nous avons discuté son document de sortie de crise pendant ce moment. Non, il y a une semaine exactement, pratiquement quoi. On a eu une invitation de la part du cabinet Premier ministre à un groupe contre historique là, qui était délégué trois mois, qui était à la rencontre du Premier ministre, c'est une première prise de contact, la semaine dernière là, mais qui va déboucher sur un terrain de concret, et ton échange de vues, analyse de la situation globale du pays, c'est ça qui est dit dans l'IPLI invitation. Et par la suite, effectivement, nous devons apprendre que tu gagnes une rencontre groupée, qui n'a pas le fait. Compromis, groupe compromis, tout ça, pas délégué mon là-dedans, puisque c'est une invitation formelle qui peut être là-dedans. Par curiosité, nous connaissons des différents groupes qui étaient réunis là-dedans, mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas si c'est un menu, ni si c'est un contenu de discussion, ni si c'est gagné, mais capable de dire, ou document d'accord qui était proposé à une question comme ça. Mais oui, nous attendons, quand on dit par curiosité, et c'était pour nous, j'ai gardé, nous connaissons que c'est un combat consacré à la fête, mais pas de participation formelle et officielle du compromis historique là-dedans. Si vous comprenez bien, négociation politique, là, et ce qui point, il y a crampé, il n'y a pas avancé, il y a bon lieu d'espoir, pas gagné, c'est de surplace, c'est quoi la situation, monsieur Ouma, dont on a parlé là. Ce qui nous est lieu d'espoir là, c'est disponibilité acteurio, sensibilité par rapport à une situation qui a dégradé chaque jour et plus. Sensibilité pour la population en cap surpris, qui n'est pas capable de tomber encore par rapport à insécurité et la vie chère. Insécurité et la vie chère, sans compter l'autre restriction sur le droit, le droit de circulation, le droit pour tout le monde à l'école, même pour être sensible à ça. Il n'est pas jamais facile. Moi-même, par exemple, moi, écrit sur moi, il faut que l'école retourne, l'école doit épargner les crises politiques pour ensemble des réactions étonnantes. Étonnamment négatif du gagné, mais nous-mêmes, dans le compromis, nous sommes sensibles à tout. Et nous sommes capables de dire que le problème massif a souffert et qui rend nous disponibles pour nous parler avec tout le monde. Et comme de fait, nous parler avec tout le monde. Nous parler, nous rencontrer, même si c'est virtuel, avec KTPS. KTPS, c'est Conseil de transition que Parti et Saline, sénateur Moïse Jean-Charles, mettait sous pied. Et qui est une bonne disposition pour nous travailler ensemble. Nous parler avec d'autres secteurs religieux, nous parlons avec d'autres secteurs de société civile, nous parlons avec d'autres secteurs pour quoi c'est l'application stricte de la Constitution qui vous ont tenu dans le visa. Donc, tu vois, on a essayé largement consulter pour nous, si nous sommes capables de mettre tout le même côté pour nous aller. L'heure d'espoir là, pour moi, c'est ça d'abord. D'abord, la disponibilité des acteurs, en tout cas pour comprendre bien, pour nous rencontrer, pour nous discuter, pour nous chercher ensemble, voir les moyens pour nous sortir. Alors là, on va faire un petit révélation. Parce qu'on est déjà nous sommes une invitation pour qu'on aille rencontrer avec les ministres. Nous allons. Parce que nous sommes des démocrates. Nous là pour nous dialoguer, nous là pour nous discuter avec pour les ministres s'il invite nous discuter avec lui. Parce que c'est pour le pays. Et on va discuter avec nous, on va aller blaguer avec lui. Ou aller discuter avec le pays. Donc nous disposons pour aller rencontrer lui. Et je dis à. Et aller avec Santa Cabrelli. Position que nous construisons ensemble autour de ce, c'est-à-dire à crise là,
n'a pas rencontré le premier ministre, nous parlons de négociation à propos de parler, parce que il va dire ça dans l'invitation qu'il fait à son rencontre. Donc nous allons aller à la rencontre là, nous allons analyser encore une deuxième fois l'opportunité, et puis pour nous, qui j'en sur la balance. Pour moi-même, le discours là, c'est ça, c'est disponibilité acteurs. Nous gagnons à tout moment, par rapport à la crise pays à traverser à la. Une crise que nous ne pouvons jamais connaître avant, en tout cas de mémoire d'homme et de loi de journaliste professionnel, nous ne pouvons jamais arriver dans l'état où il est là, que nous ne pouvons pas retrouver pour moi. Donc tout le monde connaît, même j'appelle, kidnapping à fait chaque jour, quand la boue, on va dire que des armées qui en face une avec l'autre. Et nous n'avons jamais une situation ça. Donc si nous devons être disponibles et nous montrons disponibles, flexibles dans ce sens, pour nous rencontrer les gens, pour nous rencontrer tout notre monde, eh bien, nous devons faire pour nous sauver Haïti de situation que nous avons. Deuxièmement, nous aspect n'est capable de dire d'orgueil, de fierté haïtienne là-dedans. La fierté haïtienne pour nous dire, pour que ça nous-mêmes, nous ne parlons pas de nos solutions à la crise, pour que c'est toujours des solutions importées que la protéine. Et donc, ça a encore une fois motivé nous-mêmes dans le compromis hein, pour nous disposer, à discuter pour que nous capables de chercher notre tunnel là, justement, sur les lieux d'espoir là, qui est capable de permettre de sortir de la crise là. Ok, mais au bas de non, dans quelle phase de négociation selon vous-même, vous pensez capable de gagner très prochainement une signature ou accord ou bien. Pourquoi une négociation à proprement parler? Ok. Une négociation, c'est le son de table, il y a plusieurs acteurs, plusieurs tendances, ils doivent discuter de points clairs. Et à partir de ce moment, nous m'avons dit face à face, nous avons une phase pendant le pays, donc là, septembre et octobre, de discussion avec un intermédiaire, avec une organisation qui fait facilitation. À l'époque, c'était un pays bloqué, donc c'était difficile pour moi de déplacer, donc fait par voie et téléphonique et par voie Zoom, tout ça. Mais nous pensons que les négociations sont mal faites, gélanger, face. Donc nous n'avons pas rentré dans la phase ça du tout. Et quand on me dit oui, nous allons profiter du ministre, mais nous avons invitation pour une négociation à propos de parler. Parce que mon précaution pour une négociation, parce que les populations haïtiennes sont très sensibles à la question ça. Dans l'opinion, les négociations, nous avons dit comme si c'est partagé, ou pas partagé, ou pas le ou pas le mardi, ou pas le baou. Non, nous pas en phase ça. Nous en phase de une compréhension mutuelle et partagée, compréhension autour de ça qui est. Yo. Et nous en phase pour nous sensibiliser acteurs. Yo. Que gouvernement, que position de gravité situation et de urgence que nous avons aux solutions à crise là. Mais lorsqu'il s'agira de négocier, eh bien, ça, parce qu'il y a des documents qui peuvent confronter, parce qu'il y a des positions qui peuvent face à face, et à ce moment-là, il y aura une meilleure décision. En tout, ce qu'il faut considérer, c'est jouer nos solutions. C'est pas dû à l'avantage du monde contre l'autre. Et c'est ça le sens du consensus, c'est ça le sens du compromis. C'est pas un document pas signé, pas négocié pour faire que le ministre est en place, et puis, il y a pas à dire dans la règle, c'est oui. Voilà, c'est pas ça. Et il n'y a pas une discussion tout qui vous dit, nous allons déchouquer M. Côté Léa là pour nous faire place, il y a pour mettre le monde en place, et tout. Non, il n'y a pas de ça. Il y a qui ça a été captivé de rencontre en petit lieu par rapport à la situation à vivre là. Qui ça nous capable de faire? Est-ce que nous capable de cohabiter? Dans quelles conditions à cohabiter là? Qui sa cohabitation a bien l'avantage populaire, l'avantage massif, l'avantage timoun qui besoin à l'école, l'avantage sécurité dans le pays à ce que nous en place. Qui ça, chita avec quoi à côté pour yo? C'est ça nous-mêmes nous devons discuter et nous penser que nous pas doué dérober nous à obligation que nous avons, puisque nous entrons dans la politique, nous entrons dans le côté, nous servi. Nous l'avons servi, nous allons dérober à responsabilité que nous avons, à devoir nous gagner, on a le rencontrer le monde pour nous discuter, mais pas capable de que nous en phase de négociation au côté par des propositions et des contre-propositions déjà. Ok. L'autre dossier qui est extrêmement important, je dis là, pour nous faire un petit parler sur lui, c'est le dossier nomination président Cour de cassation hein, et Jean-Joseph Lebrun, que Ariel Henry, dans la dernière arrêté le départ vendredi 11 novembre, lui nommé président Cour de cassation. Et nous connaissons, et prérogative ça, c'est président de la République qui gagne. Mais où est Ariel Henry, lui prend décision, lui nommé en président Cour de cassation. En plus, nous savons que nous avons une situation exceptionnelle. Et effectivement, nous avons une situation exceptionnelle, côté que, et depuis plus passé une année, gen vide présidentiel, yo fin assassiner Jovenel Moïse, pas gen président,
Pas parlement depuis près de 2 ans, parlement dysfonctionnel. Ou on tire Sénat là, c'est l'argent seulement qui a fait nous dépenser. C'est l'argent taxe nous a impôt nous a boulé. Ou pas pris merde là, yon style là toujours. Donc par rapport avec situation ça, par rapport avec Vidza yo, gon marché pressé par bon côté Ariel Henry. Pour combler, combler, combler. Kounye a décidé de combler Vidza en dedans cour de cassation. Parce que pour gagner CEP, automatiquement faut gagner cour de cassation. Ou qu'on est président et cour de cassation, li fait office directement en tant que président CSPJ. Donc, tout ça, yon lié yon à l'autre. CSPJ, cour de cassation, conseil électoral et provisoire ou bien permanent, tout lié. Donc, je dis à la Ariel Henry besoin de faire élection, faut cour de cassation li opérationnel. Faut que tout juge yon siège. Mais Ariel Henry, nous tout connaît Ariel Henry, son premier ministre qui décrié. Ariel Henry pas de légitimité. Ariel Henry, son premier ministre qui pas bénéficié et qui pas gagné aval population, société civile là pas avec, c'est seulement communauté internationale là, c'est seulement pour patron lui, c'est seulement patron lui qui connaît lui. Je dis à qui ça qui est plus important pour Ariel Henry? Est-ce que c'est légitimité populaire là ou bien reconnaissance patron lui? Pour Ariel avec gouvernement là, c'est seulement patron lui le besoin qui reconnaît lui. Depuis blanc fin parler Ariel se sent confortable. Sinon pendant 2 mois pays lok ça Ariel il t'a mari paquet puis il t'a bralé. Mais kounye a le n'a gardé démarche Ariel Henry a fait là dans moment pour combler cour de cassation pour river mettre tout juge dans cour de cassation pour cour de cassation ka opérationnel là nous Ariel la font démarche qui dépasse il. Pour qui ça me dit le dépasse il? Nous trouvons dans une situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais mesure exceptionnelle, ça veut dire qu'il y a la preuve. Est-ce que vous contestez? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous faites? Est-ce que la société civile, est-ce que vous favorable à elle? Est-ce que le parti politique est favorable à elle? Parce que, pas oublier, ou mettez président cour de cassation, nous voulons faire cour de cassation opérationnelle ou bien fonctionnelle, c'est pour permettre que nous ka monter CEP. Mais si à la base, parti politique yo moun nous dit nous pral mettre CEP kanpe pour nous faire élection, pour yo aller élection, pour yo ka renouveler personnel politique là. Yo déjà contesté choix ou bien yo contesté et façon choisi et président cour de cassation, pa kwè lò pral dit c'est pour moun sa yo encore. Déjà là, démarchant, il n'y a pas porté résultat parce que il y a décrié le bon. Pour yo, Jean-Joseph Lebrun, c'est accolé tout, ses amis, etc., etc. Il t'a beaucoup plus sage, il t'a fait beaucoup plus sens. Si au moins, t'es bon, si t'as parlé qui fait, et c'est une des bagailles négatives de parler, mais fait. Politicien, acteur politique, autorité, yo pas si t'as parlé, yo pas fait concertation. Tout bagaille négatif fait, en Haïti, c'est gros point. Classe politique, là, prend décision, gros point. Pouvoir prendre décision gros point. Opposition politique a prendre décision gros point. Et entre temps qui est qui a payé pour casser, qui est qui a payé toutes conséquences sur ces populations. Et dans moment là, société civile là, Fondation FJKL, Marie-Hélène Gilles lui-même, il comprend choix Ariel Henry de façon pâle. C'est pas seulement lui-même, il y a différentes personnalités après Ariel fin fait nomination pendant week-end, n'a pas chose pas là avec yo, yo même yo comprend ni dans façon pâle. Gagne qui dou, oui, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Gagne qui pas d'accord, bagay ça même. Question Ariel Henry, mette président cour de cassation. Fok prese Ariel Henry, il t'a retiré le moins là, quand elle mette la tête cour de cassation, puisque yo dou, c'est magou Ariel a préparé pour élection. Donc, Marie-Hélène Gilles, en outre de qui ça l'a dit, en outre de qui ça, et Fondation J'éclaire gagne comme position par rapport avec choix Jean-Joseph Lebrun comme président cour de cassation, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que c'est un mauvais choix, est-ce que les conséquences dans le moment n'a parlé à là sous situation bien encore sur les décisions politiques qu'a gagné pour prendre à l'avenir. En autant dire ça pas arrêté pendant semaine là une décision association professionnel magistrat yo salué pour les mêmes c'est un pas qui fait avec nomination ça mais pour Fondation, j'ai pris, c'est comme demi-mesure. On n'a pas regardé tout ça avec Madame Marie-Hélène Gilles qui est soulignée ensemble avec nous. Madame Gilles, bonjour, bienvenue sur Magique. Bonjour, nous saluons tout le capitaine de tout le staff technique là, et nous espérons nous faire un bon petit partage. Oui, nous avons un bon petit partage ensemble. Le matin, on a parlé de ces justices, nomination M. Lebrun comme président de la Cour de cassation. Il vient de l'association de qui salue nomination ça. Pour Fondation J'éclaire, c'est un pas tout, c'est doyen tribunal
civil Port-au-Prince, le président de la Cour d'appel dans Port-au-Prince, Maïka Le Bon qui jouit dans le milieu a une très bonne réputation, mais pour nous-mêmes, nous gagnons un recul. C'est comme un demi-mesure nomination. Pour qui ça, madame? Vraiment, pour nous dire, nous accueillons avec satisfaction nomination et magistrat Jean-Joseph Le Bon comme président de la Cour de cassation pays. Concernant le tribunal civil de Port-au-Prince, président de la Cour d'appel de Port-au-Prince, magistrat Le Bon, il jouit dans le milieu, il a une bonne réputation pour compétence lui et pour Jean lui-même, il a administré, lui a administré et pour salpoter tout dans le pouvoir judiciaire là. Mais nous déplorons cependant, en mesure ça, son mesure à demi-teint. Il fait en façon qu'il est capable de débloquer les frais de fonctionnement pour CSPJ. Nous, ça, si Jean lui paraît risqué. Et puis quand elle rappelle tout le monde que Cour de cassation, au nom de la loi, il est composé de un président ou vice-président avec 10 juges. La Cour, elle a siégé, il y a 2 sessions. Cette session est composée de 5 juges. Donc, il faut au moins 7 juges qui ont siégé en session réunie. Depuis décembre 2021, la Cour, c'est 3 juges qui ont gagné. Donc, d'où la nécessité pour nous nommer notre session pour la Cour capable opérationnelle. Pour nous enveloppe un seul juge pour nous mettre. C'est-à-dire que, pour faire un pas, mais il y a plusieurs autres pas pour faire pour la Cour cas opérationnel. Nous croyons que c'est moi qui a moqué nous, les croyons sur le juge que nous nommons dans cette pièce. Ça n'a pas soucié autour de mon vrai de fonctionnement régulier la Cour de cassation, qui est le dernier rempart en matière de justice dans le pays. Donc nous croyons que le blocage au niveau du pouvoir judiciaire, il prend trop de temps, il est le temps pour le débloquer. Pour qui ça nous croyons, au niveau de la Fondation éclairée, nomination magistrat Le Bon, pas capable de. Servi comme une façon pour débloquer fonds pour ces juges. Ma phrase que l'autre juge va nommer, c'est-à-dire que l'on vient avec le président de la Cour là, il est là, mais comme il n'y a pas l'opérationnel, il n'est pas capable parce que l'air abstiégé comme il s'est en session réunie. Il faut que l'autre juge, c'est en équipe, c'est un collège que vous siégez. Donc là, il n'est pas capable de siéger parce que l'équipe n'est pas complète. Qui était le gouvernement qui a gagné une décision comme ça? Il n'est pas capable de faire notre tête. Et gouvernement. Cependant, Mabdo, le pouvoir judiciaire, la Chita, exécutif Chita, nos paliers législatifs sont pays qu'à genoux. Donc, il faut qu'on consensus qui pour prendre pour capable de redresser différentes structures pour pays capable de débloquer. Son palier cassation, ou pas capable de conseil électoral. Déjà, ou pas gagner et le Parlement. Et en janvier, le Parlement a fait net, nous pas bien ça. Donc, pourquoi? Faut que l'institution au campé pour pays à capable de marcher. Voilà, nous ne pouvons pas parler de n'importe quelle institution pour appareil judiciaire, là, c'est la Cour de cassation. On va dire qu'il y a une importance capitale, surtout dans le conseil électoral campé. Là, je dis à qui ça nous voulait, qui ça a de fait après nomination, M. Le Bon. Faut que nomination l'autre juge au fait pour capable rendre la Cour opérationnelle pour capable de siéger en session réunie, j'en sais comme fait. Mais nous pas pour modalité nomination nous pas aucun problème parce que comment en fait en temps normal les deux tout pouvoir qui fonctionne normalement comment on nomme un juge dans la Cour de cassation on va passer même devant le Parlement c'est le président qui doit choisir mais là on va le président on va le Parlement ça pour nous faire oui, c'est pour nous sortir en situation normale c'est comme ça mais là nous pas aucun problème à ça c'est parce que nous débloquer plus là avec les il faut qu'on débloquer c'est ça nous ah, nous besoin il pas il faut qu'on débloquer c'est un pas qui pour son mesure à demi teint qui prend là pour qu'on bon mesure totale capitale qui prend là parce que Mabzou ou qu'a critiqué parce que nommé magistrat Le Bon mais pas qu'a dit magistrat Le Bon c'est juste pour corrompre le système non mais c'est juste qui ne sac pas ça yo non pas du tout. Donc, c'est normal qu'il y ait des débats contradictoires par rapport avec ça, la loi dit, sa constitution, même lui. Mais je dis, nous avons état de fait, côté en quelle structure, pas camper tout à terre. Nous n'avons pas le Parlement, nous n'avons pas le président, et nous n'avons pas la justice. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait des pas qui fait. Oui, il faut qu'il y ait des pas qui fait pour nous sortir. La crise, je dis à Madame Gilles. Et on a rappelé tout, appareil justice, ça, nous rappelons, nous avons passé depuis 2021 la cassation de Jean-Lira. Mais entre temps, il y a une évolution, il y a un paquet de protocoles dans une situation difficile, il y a un paquet de problèmes dans l'appareil justice, madame. La justice à genoux, oui.
Ça veut dire que nous sommes le pays, un pays qui a fonctionné sans justice. Son pays bloqué. D'ailleurs, on connaît qui est capturé en bas dans le tribunal là. C'est Brandi qui prend. Là, côté au coin CA, sont comme si son marché public lié, côté dans cet espace et au PCA. C'est-à-dire que la justice là, il n'y a pas de côté pour juge Chita, pas de bureau pour yo. Juge n'est pas capable de traiter les dossiers parce que il n'y a pas d'espace pour évoluer. Donc, ce n'est pas possible. Mon pays n'est pas capable de fonctionner comme ça. Nous traitons en parent pauvre. Nous traitons en parent pauvre. Bon. Et nous avons fini, Madame Gilles, et avant de nous aller. Appel là, je dis à la, c'est et si nous n'avons pas avancé pour une sortie de crise, là, c'est avancer à tout nous-mêmes. C'est pas faire un pas et puis quitter ça. C'est ça. Exactement, c'est ça. Parce que là, la coupe pour casser les gens se sont réunis. Plein de dossiers captés dans la cassation, tout bloqué. Donc, faut la justice là réveille, faut le lever, parce que la vie nous la tête. Merci à vous, Madame Gilles. Au plaisir pour nous débattre le matin. Merci. Bien, là nous sommes Marie-Hélène Gilles, et avant nous sommes tendés Clarine Souenois. Nous avons chaque monde un discours. Chaque monde a un discours par rapport avec comment vous comprenez la réalité, comment vous faites, qui ça vous même vous avez en tête en perspective. Parce que chaque monde nous a Haïti en gens, chaque monde comprend la situation pays en gens, chaque monde a Ariel Henry qui sous pouvoir en gens. Alliez aujourd'hui à la parler de Ariel Henry mal contre André Michel. Là, on vit manger. La besoin manger avec un grain de sel parce que jodi a li nan pouvoir donc li a protéger pouvoir li comprendre pouvoir et nous même qui en dehors pouvoir cap maspiner cap prend frappe cap prend coup nous supposé revendiquer nous supposé dénoncer nous supposé bataille pour nous est-ce que nous ca changer est-ce que nous ca améliorer situation à vivre là en Haïti regardez ça qui a passé en République Dominicaine faut que nous t'apprend un petit temps pour nous questionner tête nous. Faut que nous prenions un petit temps pour nous questionner qui ça, comment ça se fait. Tout côté haïtien passé, c'est toujours haïtien maltraité, haïtien humilié. Est-ce que c'est parce que moun nous choisit pour nous mettre dans cette institution qui pour représenter nous? Est-ce que c'est parce que yo pas vaut la peine? Est-ce que moun sa yo qui dans institution qui représente Haïti, qui représente pays, moun sa yo est-ce que yo t'a supposé là? Est-ce que tu as supposé à représenter? Est-ce que tu as supposé à représenter? Qui ça moun sa yo? Qui valeur moun sa yo? Est-ce que moun sa lèl kapèl parle pour Haïti, il parle nan non Haïti? Est-ce que parole qui sont nan bouche, est-ce que gen valeur? Ça est extrêmement important. C'est à partir de là nous pral comprendre que ça ici a vivre, ça n'a vivre jodi an là, ça ou même qui a vivre nan diaspora, choc émotionnel ou prend ou regarder comment Dominique a déporté haïtien, a bataille haïtien, a touyé haïtien, comment kidnapper en Haïti, comment criminel en Haïti a touyé, a fait carré Jacques, a violé, a braché, yo pas permettre manchette, yo pas permettre rache, yo pas permettre couteau, youn sous l'autre, youn a détruit l'autre. Qui ça qui a passé pays an? Kote problème nan yé, et wap gade réalité, problème nan avant tout c'est haïtien. Nous c'est problème nan yé, comment nous ka changer situation? Et c'est ça qui est extrêmement important. Ou même qui sont influenceurs, si c'est pour influenceurs, c'est ça qui pas manqué. Ou yé 50 000 moun, ou yé 100 000 moun, ou yé 200 000 moun kap suivi, ou son influenceurs, bon façon ka influencer moun jodi an la, c'est qui sont fait pour aider communauté là? Comment on choisit influencer moun yo? Est-ce qu'on influence yo nan débauche? Ou bien est-ce qu'on influence yo pour yo remè pays yo, pour yo sacrifier yo, pour yo pou pays yo, pour yo respecter principe yo, pour yo faire devoir yo tant qu'haïtien? Ça est extrêmement important. 5 minutes dans ton en tant qu'influenceur chaque jour, l'important pour éduquer peuple oui. L'important pour éduquer fan besoin moun k'ap suivre oui, pour orienter oui. L'important pour parler à politicien, l'autre influenceur voir au compte. Ou bon, ra gen moun ki la ta remet tande, gen moun ki la ki ta remet tande, c'est ou même k'ap conseiller yo. Mais si chaque jour nous rete c'est dans débauche, dans chawa pété plaisir etc. La vie pas résumée avec plaisir seulement. La vie pas résumée avec chawa pété. Jodi on a vivre dans une société qui fin dépravée, qui fin dépafini. Côté que ti jeune nan qui ça intéressé, c'est meton bel cheve nan tête li, un bel tennis nan pied, satisfait petit bouton balé pour le fini. La vie en pas résumée avec ça seulement. Nous gen problème éducation, nous gen problème santé, nous gen problème logement, nous gen problème loisir en dedans pays. Tout ça est extrêmement important jodi en tant qu'influenceur. Pour nous orienter moun yo, pour nous aider moun yo, pour nous bayo, ou comprendre pour nous lancer alerte, lancer message, commencer bataille là, côté yon, côté travail là.
Imagine aujourd'hui là, tout ça qu'a fait. Où est Haïti? J'en a traîné là. Si c'est pas diaspora, peut-être pays a t'a disparu déjà de point de vue économique. Bon, qui travaille mon affaire en Haïti là qui ca répond avec besoin yo? Qui ca répond avec besoin? Jodi an la, c'est grâce à avec famille zanmi yo qui dans diaspora k'ap soutenir famille yo k'ap paye kay k'ap voye manger k'ap paye l'école. C'est grâce à yo même jodi an haïtien k'ap vivre en Haïti, yo ka survive, yo ka vivre. Ou bon moun pou konta, ou gen possibilité pendant pa wese pendant que bataille pays pa intéressé en Haïti, pendant que bataille pour libérer pays en bas griffe oligarque yo pa intéressé en Haïti, mais moun sa yo k'ap bourke nan diaspora, k'ap travaille dur nan diaspora, neige pa neige, c'est yo même la pli pa la pli, c'est yo même. Yo même yo pa gen moun pou yo pa gen moun pou yo compter sou li. Là yo fin paye tout milieu, yo fin voye l'argent ba ou en Haïti, voye manger ba ou en Haïti. Si yo pa gon goud, yo pa gon moun, non yo pa espérer sou li. Yo pa gon moun yo pral compter sou li. Jodi an meilleure façon ka encourager moun sa yo. Moun sa yo ki nan diaspora ka fè sacrifice chaque jour pour compatriotes, pour famille, pour amis en Haïti, c'est au moins montrer moun nan ou gen volonté pour camper, pour goumer, pour dénoncer magouille, malversation, ça criminel que autorité a fait dans pays. Nous pas ka vivre en Haïti pour nous quitter diaspora yo plus rien, mais on ta plus rien mais Haïti changer que nous même ka vivre dans pays. Yo plus déterminé pour ta wè Haïti changer que nous même ka vivre en Haïti. Donc comprendre bien bon bagay qui pas marcher dans nous. Jodi an si nous font bataille pour pays, faut nous font bataille côté que moi même gen place moi ou même ou gen place ou li même nous tout gen place nous pour nous dire ensemble nous parer pour nous chavirer système nan ensemble nous parer trois catégories moun sa yo dans commencement émission nous té rivé identifier ensemble qui yo même c'est eux même qui gen relation c'est eux même qui gen contact officiel l'état moun nan et nan secteur privé des affaires là moun sa yo qui c'est des particuliers en Haïti qui dans des secteurs dans des et dans des domaines bien spécifiques yo nan l'église yo nan l'école yo nan et yo gen différents domaines d'activité en dedans pays catégorie moun sa yo qui a fait zam rentrer qui a fait bal rentrer en dedans pays pour nous ka bataille contre yo ou pas aujourd'hui hein secteur commerce a bataille avec secteur commerce grand nèg a bataille grand nèg pour contrôler port pour contrôler douane ou pas ouais politicien a bataille contre politicien pour contrôler électorat nous même qui ça pour nous faire c'est pour nous camper pour nous bataille contre eux toutes et nous capable je dis là c'est que 50,000 haïtiens qui dit yo paré là pour chavirer le système non paré ou que 50,000 haïtiens qui dit yo paré là pour identifier acteurs politiques pour porter bourre sur yo paré. Mais nous pouvons voler, c'est juste que nous pouvons voler. Demain là, 18 novembre, bataille de vertir. C'est une bonne occasion pour nous réfléchir ensemble. C'est un bon moment pour nous questionner qui est la bataille de vertir et qui est symbolisé dans l'histoire pays nous. Qui est-ce qui te fait, pour qui raison il te fait. Et je dis là, est-ce qu'elle n'a pas mérité pour nous, même en tant qu'haïtiens, pour nous faire propre bataille par nous, propre lutte par nous, pour nous libérer pays nous. En tout cas, parole yo en pile, c'est toujours même parole yo, c'est toujours même problème yo, même acteur yo et décision yo peut-être qui changer, mais jodi an là nous conscient que nécessité an c'est pour nous changer Haïti, bataille c'est pour nous aider compatriotes nous libérer Haïti. Donc nous pas camper dans route, n'a continuer avancer. Et au même qui voulait encourager travail là, partager vidéo, partager émission, c'est toujours un plaisir pour moi là avec vous pour me porter information pour nous analyser yo ensemble, commenter yo ensemble et rendez-vous à l'icasté dans une autre vidéo. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les nantis, mon éditorial, c'est tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick.